Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On va prier pour commencer. Père éternel, nous te bénissons, nous te présentons ce message. Daigne le bénir. Laisse que ce message nous éclaire. Au nom puissant de Jésus, merci parce que ton onction va toucher un cœur qui nous suit quelque part. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, bien-aimés. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes vraiment chanceux de vous avoir en ligne encore une fois par la grâce de Dieu. Avec toute humilité, reconnaissons que nous ne sommes pas spéciales, mais c'est par la grâce de Dieu qui nous fait ce privilège de vous atteindre là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse bien aimé. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du parabole du semeur. Parabole du semeur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc. Cette fois-ci, on n'est pas dans Matthieu, mais nous irons dans Luc. Luc 8, 4 jusqu'à 9. Je vais vite lire Luc, chapitre 8, versets 4 à 9. La Bible nous dit ceci. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus des diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Des épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Amen, amen. Et le verset 9 nous dit, les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Amen, amen, parabole du semeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Révélation aux enfants du royaume. Comme vous avez entendu, les disciples sont venus après et demandant à Jésus de donner la signification de cette parabole. Le royaume est aux enfants du royaume. Les bonnes choses sont aux enfants du royaume. Écoutez, bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler de cette parabole du semeur. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous nous adressons aux gens. Peut-être à un groupe, ça peut être individuellement, peut-être à une église locale ou une congrégation quelconque. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes devant les gens. Ceux qui nous écoutent sont le cœur, les esprits qui sont là pour écouter la parole
la parole de Dieu. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Peu importe le nombre de gens qui vous écoutent, qui sont là prêts à vous écouter, ça peut être 10 000, 20 000, je ne sais pas, 80 000. Il y a des grandes églises. Ici où nous sommes, une église de 80 000. C'est comme un stade de football. Plus que même un stade, les gens viennent en masse pour écouter la parole de Dieu. Il y a d'autres églises de 100 personnes. Selon la grâce que Dieu vous a donnée, il y a d'autres églises de 50. Il y a d'autres églises de 30 personnes, d'autres de 20 même. Moins que ça, jusqu'au nombre exact de la Bible, 2 ou 3 personnes. Si vous vous retrouvez à 2 ou à 3 dans une congrégation, la parole de Dieu nous dit, Dieu est avec vous. Alléluia. Si vous êtes à 2 ou à 3, je suis parmi vous, dans vos familles, là où vous êtes. Ça, c'est une grande église. Quand vous vous réunissez pour la cause de Dieu, sache qu'il y a une promesse. Dieu est avec vous. Et la gloire de Dieu, la gloire que Dieu envoie à une congrégation, à une église, sera envoyé dans votre famille parce que vous vous réunissez pour donner la gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Quand vous vous réunissez en famille, vous êtes une église. À partir des 2, vous êtes une église. Et le ciel vous regarde. 2 ou 3 personnes. Et la gloire de Dieu va descendre au milieu de vous. Alléluia, soyez bénis. La période de confinement nous a inspiré beaucoup de choses. C'est pourquoi nous étions confinés. Nous sommes encore confinés partout. Quelque part, les gens sont encore confinés dans ce monde. Mais soyez en connexion avec Dieu. Ne cessez pas de vous réunir pour la gloire du Seigneur. La puissance de Dieu va vous assister et vous verrez la gloire du Seigneur. Alléluia! Soyez bénis, soyez bénis. C'est le temps de déconfinement. Soyez bénis. Là où vous êtes déconfinés déjà, soyez bénis. Vous qui n'êtes pas encore déconfinés, soyez bénis. Et que la puissance de Dieu se manifeste à vous. La puissance de la gloire de Dieu se manifeste là où vous vous réunissez. Alléluia, alléluia. Nous voulons parler du parabole du semeur bien-aimé. Sachons bien, peu importe le nombre que nous nous retrouvons, quand nous sommes devant le Seigneur, peu importe l'auditoire, la puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Mais écoutez une chose, cette parabole nous révèle les choses. Sache bien que quand vous vous réunissez, peu importe le nombre comme je viens de le dire, la congrégation est subdivisée exactement comme ce qui est dit dans cette parabole. C'est une révélation que nous allons trouver dans cette parabole. Votre congrégation est subdivisée au nombre de ce que nous allons trouver dans cette révélation, dans cette parabole.
Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, suivez-moi. Cette parole vient nous révéler comment les gens écoutent la parole du Seigneur et comment ils répondent à cette parole qu'ils écoutent. Écoutez, ne confondez pas la parabole du semeur et celle des livrets des champs. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire une autre révélation de ce qui se passe exactement lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, la réponse de cœur ou des auditeurs à cette parole. Luc 1 jusqu'à 4, la parole de Dieu nous dit, Jésus allait de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle du royaume, ville en ville. Et il prêchait la parole de Dieu, et à cette occasion, la Bible nous dit, il y avait les 12 apôtres qui étaient là, il y avait ceux qui étaient guéris par Jésus, ils étaient guéris de leur maladie, il y avait même ceux qui étaient guéris des esprits mauvais, il y avait même les gens qui sont venus, parce qu'ils aimaient la parole qui sortait dans la bouche de l'homme de Galilée. Et ils étaient là. Et il y a une femme qui est mentionnée là, qui s'appelle Jeanne. Jeanne est mentionnée là-bas. Il travaillait à l'intendance d'Hérode, assistait Jésus dans son ministère. Elle était parmi les bailleurs de fonds du ministère de Jésus. Étant un enfant de Dieu, étant un Dieu, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour soutenir son ministère. Il y avait Jeanne et Suzanne. Si vous lisez le verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Donc 8, verset 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leur bien. Ces deux femmes et plusieurs autres assistaient Jésus dans son ministère au travers leur bien. Ça m'a touché fort, bien-aimé. Alléluia, ça m'a touché fort. Bien-aimé, si Jésus, fils de Dieu, il fallait les soutenir par les biens pour que l'évangile aille en avant, à combien plus que nous autres. Écoutez, toi qui me suis, je vais bénir une femme qui a le don de soutenir la parole de Dieu. Soyez bénis et continuez à le faire et que la puissance de Dieu augmente l'onction de la richesse pour que tu continues à soutenir l'œuvre du Seigneur. Je bénis Jeanne et Suzanne qui étaient comme des bailleurs de fonds à l'époque de Jésus. Elles ont cueilli des bénédictions dans ce qu'elles faisaient. Toi qui as ces secrets, qui a le don de soutenir l'œuvre du Seigneur, continue à le faire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Soyez bénis. Ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes, parce que la Bible nous dit, et plusieurs autres qui assistaient Jésus de leur bien, qui assistaient le ministère de Jésus de leur bien. Soyez bénis. Nous ne sommes pas appelés seulement à venir à l'église, mais soyons à l'église, mais aussi ayons cette aimabilité-là de soutenir l'œuvre du Seigneur avec nos biens. Alléluia, alléluia. C'est un secret de bénédiction. C'est un secret de bénédiction, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Le fond de l'œuvre du Seigneur est dans le poche des croyants. Il y a deux mondes, il y a des royaumes dans ce monde, le royaume de ce monde et le royaume de Dieu qui est dans ce monde. Vous êtes parmi les royaumes
de Dieu dans ce monde. Et ce royaume nous a besoin d'une bénédiction, a besoin d'aide financière pour évoluer, pour aller en avant. Et ça, il faut toucher dans vos poches pour amener l'œuvre du Seigneur un peu loin. Alléluia, alléluia. Nous ne sommes pas appelés à rester là. Nous devons aller, nous devons évoluer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia, alléluia. Vous qui donnez pour la gloire du Seigneur, continuez à le faire. Continuez à faire ça et soyez bénis davantage. Et je touche vos mains avec la foi. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Alléluia, abondamment bénis. Et je vous encourage de continuer à le faire. Vous serez bénis du jour, les jours. Aucune œuvre du Seigneur, qu'une organisation qui peut évoluer sans les soutiens matériels, bien-aimés. Les soutiens pour l'œuvre du Seigneur, c'est vous et moi. Touchons nos poches pour faire bénir l'œuvre du Seigneur. On peut prier, oui, mais c'est juste une onction divine. Mais à part ça, nous voulons évoluer et développer les choses de Dieu. Alléluia! Alléluia! Que Dieu vous bénisse comme d'habitude. Un monde, une foule suivait Jésus. Dans ce verset 4, les gens qui sont venus de différentes villes à cette occasion, il leur avait parlé de cette parabole, parabole du semeur. Je vais encore le dire vite. Bien-aimés, ne confondez pas la parabole du livret des champs et celle du semeur. Livret des champs, comme nous l'avons dit, nous avons un peu entré en profondeur à notre niveau. C'est une réalité que nous rencontrons dans l'œuvre du Seigneur. Difficultés causées par l'ennemi, difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Courante et le seul spécialiste dans ce domaine, comme nous l'avons dit, d'arracher, c'est Dieu, Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous avons trouvé dans le parabole des livres. Mais alors, la parabole du semeur, bien aimé, la parabole du semeur nous révèle plus comment le cœur reçoit la parole de Dieu et comment ils répondent à cette parole. C'est ce que nous allons trouver dans cette parabole du semeur. L'ennemi dans cette parabole du semeur est encore au rendez-vous ici parce que lui, il travaille fort. Il ne dort pas. Les chrétiens, quelquefois, nous avons l'habitude de dormir, mais notre adversaire ne dort jamais. Parce que, bien aimé, presque tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, tout est causé par lui. C'est lui le causeur de tout ce qui est mauvais. La Bible nous dit, en lui, il n'y a que de meurtre. Le mensonge, il ne dit jamais la vérité. L'ennemi, c'est ça l'ennemi. Menteur, meurtrier, il ne dit jamais la vérité. Nous allons les trouver dans cette parabole du semeur. Et tout de suite, nous lisons Jean 8, 44. La parole de Dieu nous dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est le diable. Si vous êtes encore en complicité avec le diable, vous êtes encore au service du diable, vous avez affaire à un menteur. Le père des mensonges, en lui, il n'y a pas de vérité. En lui, c'est le meurtre, c'est tuer, voler, détruire, c'est tout ce qui est en lui. Écoutez, bien-aimés, si vous me suivez et vous êtes encore au service de l'ennemi, quittez! Il faut fuir le diable. Ce n'est pas un bon maître. Il faut fuir loin de lui. Laisse-lui tout, toutes ces choses et fuir, parce que ce qu'il a fait de vous, tout ce qu'il va faire de vous, c'est mentir, c'est planifier de tuerie, c'est planifier de vous détruire. C'est pas un bon monsieur, c'est pas un bon monsieur. Il faut le fuir. Qu'est encore entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable, il faut le fuir. Je te dis, je le répète encore, il faut le fuir. Quittez dans les mains de l'ennemi, quittez le diable, le temps passe vite, bien-aimé. Bientôt, Jésus va revenir par son église. Toi, tu n'as pas encore trouvé Jésus dans ta vie. Tu n'as pas encore réussi les salis. Qu'est-ce que tu fais encore dans les mains de l'ennemi, dans les mains du diable? C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur fait à ce que tu es en contact avec ce message pour que tu écoutes cette voix de l'homme et de Dieu qui te dit de quitter. Tu dois te détacher de l'œuvre de l'ennemi. Le menteur va te tuer. Quitter cette vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. J'insiste pour un cœur qui veut recevoir Jésus. Ce n'est pas cet après-midi, cette nuit. C'est pas, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Quittez. Fuis à Dieu, fuis les œuvres de l'ennemi. Jésus est là, il t'attend, il veut te recevoir. Il a un plan merveilleux de toi, bien-aimé. Écoutez l'ennemi, le Satan, le diable, c'est pas un bon maître. C'est quelqu'un qu'il faut fuir. Même quand il te donne une belle voiture, tu vois, tu roules dans la voiture, mais je te dis, c'est un menteur. Tu es en train de rouler dans une voiture qui vient d'un menteur. Tu n'auras pas de gloire avec cette voiture. Même si tu sembles avoir la gloire dans cette belle voiture, mais je te dis, menteur. Il est menteur. Il y a une grande magasin, grande maison, il te donne mensonge, bien-aimé. Je t'ai dit, il t'a menti. Même s'il te donne du succès, mensonge, tu viens, la foule est grande, les gens pleurent. Mais je t'ai dit, il te donne le succès, mais il t'a menti. Tu ne peux pas le comprendre maintenant, mais je te dis, il t'a menti. Parce qu'il est menteur. Tout ce qu'il fait, il puise dans son fond. Et son fond est rempli de mensonges seulement. Il faut fuir l'ennemi. S'il te donne une grande église, construit un grand bâtiment moderne, tu pries, les gens sont guéris. Quelquefois, ils tombent. Tu lèves seulement la main, les gens tombent. Si c'est la complicité avec l'ennemi, le diable, je te dis,
tu le fais dans le mensonge. On t'a trompé. Il n'y a pas de succès avec ces messieurs. Il t'a trompé. C'est menteur. Tout ce qu'il fait, c'est mentir les gens. Il faut les fuir. Le père du mensonge. Ne soyez pas en complicité avec le père du mensonge. Tout ce que tu fais, bien-aimé, ne soyez pas en complicité avec le père du mensonge. Le diable, père du mensonge. Il opère dans le parabole du semeur. Nous allons révéler les choses. Il opère dans le parabole du semeur. Il opère, il est menteur. Tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Attention à ces messieurs. Écoutez bien aimé. Révélation de la parabole aux enfants du royaume. Cette parabole est révélée aux enfants du royaume. Comment la foule reçoit la parole? Comment les gens écoutent la parole de Dieu? Comment ils répondent à cette parole? Parabole du semeur nous révèle les choses. Nous sommes encore en train d'exciter les gens à découvrir les secrets du royaume. C'est bon, une fois dedans, vous ne pouvez pas regretter. C'est bon, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction si vous êtes dans le royaume. Écoutez, le verset 9 nous dit, les disciples sont venus. Le verset 9, la Bible nous dit, les disciples, ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Mais tu viens de nous dire une parabole que nous n'avons pas compris quand nous étions avec les autres là-bas, les autres qui venaient toujours. Jésus parlait en parabole, mais les gens avaient les oreilles qui n'écoutaient pas, les gens avaient les yeux qui ne pouvaient pas voir. Et après, les enfants du royaume venaient toujours, quand les autres n'étaient plus là, révèle-nous ce que tu as. Dis, parce que nous ne comprenons pas ce que tu étais en train de dire. De préférence, révèle-nous ce que tu voulais dire de cette parabole. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, le verset 11, 8, 11, la parole de Dieu nous dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent. Puis le diable vient et enlève leur cœur, la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Écoutez verset 13, ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Verset 14, ce qui tombe ou ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, la richesse et plaisir de la vie. Et ils ne portent point du fruit qui vient à la maturité. Et le verset 15 nous dit, et ceux qui tombent dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec
Persévérance. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ça, c'est la révélation de cette parabole. Jusque-là, on n'a pas encore entré dans cette parabole. Mon temps vient de me faire défaut, bien-aimé. Mais je suis en train de bénir quelqu'un qui est en train de nous suivre. Sois une bonne terre, quelqu'un qui va à écouter la parole de Dieu. Et quand il écoute la parole de Dieu, c'est avec honnêteté. Quand il écoute avec honnêteté, il retient la parole de Dieu et il porte le fruit de cette parole qu'il a écoutée. Que Dieu te bénisse. Sois de cette catégorie, je te bénis, je te bénis. Écoute la parole de Dieu, reçois la parole de Dieu, sois une bonne terre. Alléluia, sois une bonne terre. Mon temps me presse, ça c'est fini, ça prend fin. Mon temps me presse, bien-aimé. Oh, alléluia, alléluia. Mais sois une bonne terre quand tu écoutes la parole de Dieu. Sois persévérant quand tu écoutes la parole de Dieu. Porte du fruit et tu seras béni dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je te bénis encore une fois au nom puissant de Jésus. On va entrer en profondeur et retrouver et trouver encore des révélations dans cette parabole du semeur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que sa main puissante soit au-dessus de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine. Amen.